Bonjour, je suis Camille, chargée de relations écoles et de suivi des stagiaires et alternants au sein du groupe SAMSIC. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Qui va nous parler un petit peu de son expérience de stagiaire au sein de notre groupe. Laura, est-ce que tu peux te présenter? Donc bonjour, je m'appelle Laura, je suis étudiante en école de commerce à Audencia Business School. Et j'effectue actuellement mon année de césure au sein du groupe SAMSIC en tant qu'assistante de mission RH. Dans le cadre de ton année de césure, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au sein du groupe ? J'ai intégré le groupe en janvier 2022, donc tout d'abord en tant qu'assistante de mission RSE. Je me suis dit que je voulais faire mon deuxième stage de césure dans le domaine des RH, des ressources humaines. Et on m'a proposé de rester dans le groupe et d'intégrer le poste de stagiaire assistante de mission RH. Quel a été ton plus gros challenge dans tes missions du coup en stage ? Mon plus gros challenge, et je suis fière de l'avoir réalisé, c'est la prise de parole en public devant un certain nombre de personnes. Pendant mon stage en tant qu'assistante de mission RSE, j'ai participé aux plénières, donc aux réunions avec tous les dirigeants, cadres, tout ça du groupe SAMSIC. Ils étaient à peu près 200 et ma responsable m'a fait parler quelques minutes devant toutes ces personnes et j'étais très stressée mais très fière de l'avoir fait. Et en tant qu'assistante de mission RH, j'ai aussi pris la parole et présenté justement le domaine de la RSE lors de la matinée d'intégration des alternants et stagiaires. Si tu devais résumer tes deux stages au sein du groupe SAMSIC en trois mots, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais globalement, excellente expérience, super ambiance. Et si je devais trouver un mot pour chaque stage, je dirais pour les RH, polyvalence, très important. Et pour la RSE, la rigueur, c'était aussi super important. Et du coup, Laura, à la suite de ces deux stages, qu'est-ce que tu envisages pour l'avenir ? J'aurais aimé rester au sein du groupe, mais malheureusement, dans le cadre de mes études, je suis obligée de rentrer à l'école. Donc, c'est semestre de spécialisation à Nantes. Ensuite, j'ai la chance de partir en échange universitaire à Oslo, en Norvège. Et en janvier 2024, un stage de fin d'études. Donc, qui sait ? Peut-être que je serai de retour.